Salut à tous, ici c'est Retrobits et je vais vous présenter mon petit setup. Désolé pour le petit doigt qui est passé juste devant. Donc voilà, on va passer en revue ce que j'ai, ce que j'utilise côté PC et tout ça. Donc pour streamer, etc., YouTube et machin, un truc bidule. Donc là, nous avons le PC gamer Corsair, le chat qui veut faire un petit commentaire. Alors donc les spécificités sont bon, c'est pas du gros matos non plus hein. C'est l'Intel Core i5 4460 300 à 3,20 GHz gigawatts, comme dirait hein, un ami. RAM 8 Go de RAM, donc système d'exploitation 64 Go. Carte graphique AMD Radeon R9 200 Series. Et alors, voilà. Côté clavier, j'utilise un simple clavier Acer. Tout bête. Une souris HP. J'ai une autre souris Acer aussi, mais je l'ai utilisée pour l'autre PC que je vais vous montrer juste après. Donc, avec mon petit tapis de souris Manga Mania. Alors, question casque, micro, c'est un. Ici. Tac. Un micro Microsoft Live Chat LX 3000. Je l'ai marqué là, hein, parce qu'on ne voit pas bien là-dessus. Donc tout bête. Tout simple, mais efficace. Donc ma manette Super Nintendo en USB pour jouer à la Super Nintendo en émulateur. Alors ça, c'est mon EasyCap. Un bête EasyCap pour capturer les consoles qui n'existent pas encore en émulation, par exemple je sais pas, moi j'ai pas d'exemple en tête, désolé. Là, une simple webcam de PlayStation 3, pardon. Oula, j'ai du mal. Donc là, côté écran, je sais pas si vous allez voir, c'est, je vais peut-être diminuer là. Ma souris est ici. Tac. Tac. Voilà. On verra peut-être mieux. C'est un LG. Oups, pardon. Et c'est. On voit pas bien. Je ne peux pas utiliser le flash. Donc c'est un IPS LED 22 EA53. Donc voilà. Et mon autre écran, c'est un écran Acer. Tout simplement. En VGA, pas en HDMI. Celui-là, il est en HDMI, par contre, celui-là non. Il est en VGA. Mais bon, ça suffit juste pour surveiller les streams et tout ça, quoi. Là, après, nous avons deux manettes. Hein, quand on joue à plusieurs ou quoi. Manette Xbox 360, une avec pile, une avec chargeur. Avec le récepteur qui va avec. Très pratique. Pour éviter les câbles, parce qu'il y en a déjà assez. Question haut-parleur, ben j'ai ça. Ce qu'on m'a offert pour la Noël, donc Logitech. Très 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 bon produit. Là, avec mon petit. Je devrais y aller. Say my name. Donc je disais très très bon produit qui donne vraiment un bon son. Avec le subwoofer qui va avec. Voilà le v'là. Bon, je suis très très mal équipé. Moi, j'ai pas le bureau qu'il faut. Mais bon, ça fait le taf, comme on dit. Donc une petite vue d'ensemble de ce que j'ai, de ce que voilà, ce que j'utilise aussi comme programme, je peux vous le dire. Donc c'est simplement à peu près comme tout le monde, hein, OBS, Open Broadcaster. Et alors comme programme de montage, j'utilise Premiere Pro, voilà, qui est très 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 efficace. Avant, j'utilisais Camtasia, mais c'était vraiment au bout d'un temps, c'est de la merde, c'est juste pour se faire les dents, quoi. Mais ici, depuis quelques mois, j'utilise Premiere Pro et c'est vraiment plus facile. Donc, est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, je vous ai tout montré. Là, ici, oui. Ça, vous avez vu, tout. J'ai encore un autre PC là en dessous, mais qui est HS complètement. Donc, on va passer du côté du salon. À tout de suite.
Hier tout le monde, donc voilà, nous sommes au salon. Bien sûr, il y a encore les travaux, tout ça à faire, changer hein, le papier peint. Bon, ça c'est qu'un détail. Donc là, nous avons le PC du salon sur lequel est la TV Sony. Désolé pour le reflet, mais pour aujourd'hui, il fait du soleil et ça fait du bien en même temps. Donc le PC, c'est un. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, tac. Alors, système. Alors, c'est un Intel Core i7 2600 à 3,4 GHz, 6 Go de RAM. Donc, le système de compensation 64 bits. Je sais pas si vous verrez bien. Désolé, avec Windows 7 dessus. Donc, tac. Et je vais vous montrer ce que je fais avec tout ceci. Donc, je lance Hyperspin. Ouais, bien sûr. Tac. Et vous allez voir, magie. Dans 2 petites secondes, normalement, ça va s'allumer. Je viens d'allumer le PC, donc il est. Il est froid. Donc voilà, c'est Hyperspin que j'ai installé dans le PC. Je vais baisser un peu la musique, enfin le son. Voilà, ça devrait aller. Ouais, comme ça devrait aller, je pense. Donc c'est le pack de Megatest Retro. Geoffrey, si tu me regardes, salut, coucou. Merci encore pour ce pack. Donc il t'a. Disponible, oula, j'ai encore du mal. Disponible donc sur sa page Facebook dans les téléchargements. Donc on peut voir hein, ce qu'il y a mis dans le pack. Le pack fait 16 Go. Donc il y a un peu de tout déjà, de quoi s'amuser. Seul petit bémol, c'est que ça bug un peu avec la manette. Sinon, en jeu, c'est impeccable. Donc voilà, on fait le tour. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pas dit, mais c'est un bête clavier et ma souris Acer. Voilà. Un petit Street of Rage remake. S'il veut bien se lancer. Ouais, il est chaud. Enfin, il est froid. Alors, Bomber Game. Voilà, tout simplement. Hein. Je vais pas me mettre à jouer parce que j'ai qu'une main donc de libre. Et pour partir du jeu, c'est donc échappe tout simplement à chaque fois. Et il revient sur le menu de Hyperspin. Et de là, on peut rechoisir un autre jeu. Tac. Voilà. En gros, voilà ce que je fais avec le PC. Donc là, je vais vous montrer. Bonjour madame, mesdames. Au revoir mesdames. Ce que je fais aussi également, c'est il sert de lecteur multimédia avec Kodi, qui est vraiment excellent. Excellent de chez excellent. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Kodi, c'est l'ancien XMBC ou XM XBCM, je sais plus.
XMB là. Non, ça c'est le truc de. Le menu de la PS3, ça. De Sony. XBMC, je crois. J'ai plus le nom exactement en tête. Donc là, j'espère que vous allez bien voir. On va mettre un petit truc. Je vais pas vous faire le test complet parce que bon, c'est pas le but. Donc voilà. C'est le 1 ou le 2, ça? 2. Hôtel Transylvanie. Dessin animé préféré de mon fils. Je ne dis jamais blablabla. Je ne dis jamais blablabla. C'est son passage préféré. Donc vous voyez, hein, tout simplement. Et de là, on fait l'échappe. Et voilà, on peut rechoisir un autre film. Tac. Voilà. Et pour quitter, rien de plus simple. On prend la souris. Et on fait sortir. Mais ce qu'on peut utiliser, c'est donc un plugin, une application, pardon, qui utilise le smartphone comme télécommande multimédia. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus et merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous aimez. Bye. Et merci.